à s'adresser. Là. Question de se souhaiter bonne chance. Et les officiels pour le match, Jason Feist de la Ligue de l'Ontario, Adam Blaski de la Ligue de l'Ouest, les juges de ligne, Ryan Card de l'Ontario. Un palmarès là, pour cette formation junior des Knights de London qui revient à la Coupe Memorial pour la première fois en 8 ans. Depuis 2016 qu'on n'avait pas vu les Knights. Woodward, la remise de l'autre côté. Le Gauthier qui, en entrant au filet, a bien failli inscrire le premier but du match pour les Voltigeurs. Komarov s'était fait prendre là-dessus. Gazizov. Baudry. Oui, Baudry a très bien récupéré. Et Diotte est de retour dans la mêlée. Le tir et le but. Marqué par les Knights à la toute fin de l'avantage numérique. La punition était terminée. Ruslan Gazizov ouvre la marque. C'est 1-0. Gazizov, attaquant de 19 ans, non repêché, tir sur réception, foudroyant. C'est... Mais il était trop tard, c'est en toute fin. On va voir le joueur des Voltigeurs s'amener. Diotte qui revient dans la mêlée, mais la passe transversale, le bâton est mal placé. Ouais, ça faisait 5 secondes que la punition était terminée. Et quelle remise de Dickinson. Ouais. Dickinson, belle passe, Gazizov tire sur réception, laisse aucune chance à Riley Mercer et les Knights de London qui marquent le premier but. S'échapper quelque peu du côté gauche. Contre-attaque, bang, son tir frappe la baie vitrée derrière. Julien qui retourne le disque vers O'Reilly. Retenu par Rotondi. Ça revient à Julien. Passe de l'autre côté. Le tir et le but. Superbe tir sur réception d'Oliver Bank. 2-0 les Knights. On en parlait précédemment en avantage numérique. Il est posté dans une position où il peut utiliser son tir sur réception. Le défenseur de 18 ans, choix de première ronde, sur la contre-attaque des Knights de London qui avait suivi une attaque avortée des Voltigeurs parce que Woodward avait chuté en possession de la rondelle sur un 2 contre 1. Et là, on laisse Oliver Bank sur le flanc gauche complètement seul. Il y a 5 joueurs des Voltigeurs du même côté de la patinoire. On a été hypnotisés un petit peu par la rondelle, Stéphane. Et Oliver Bank qui ne rate pas sa chance. Il va prendre un tir et s'isoler sur le flanc gauche. Il se positionne, suit bien le jeu. Et là, sur le tir sur réception, laisse aucune chance à Riley Mercer et les Knights. Le 27 avril 2011, les Sea Dogs de Saint-Jean avaient éliminé les Maniacs de Lewiston à Lewiston. Ouais. Et ça a été la fin des Maniacs par la suite. Plus ou moins, là. O'Reilly vers Gazizov à nouveau. Et là, finalement, on a poussé plus loin. 2 contre 1. Gendron s'empare de la rondelle. Il a Huchette à sa droite. Gendron a Huchette devant. Bel arrêt de Simpson. La rondelle est libre. Et on a tenté de la pousser. Et on a sifflé du côté de l'arbitre. Et j'ai aimé la réponse de Alexis Gendron quand il a dit « Ils sont bons et ils savent qu'ils sont bons. » Ils le savent. Alors ça dénote un peu l'arrogance qu'on a noté, nous aussi, là, de... Mais malgré ça, ils sont battables. Ben oui. Ils sont battables et c'est ce que les Voltigeurs vont tenter de faire. Et là, le but est marqué sur la mise en jeu et le joueur de centre va s'en vouloir là-dessus du côté des Voltigeurs puisque c'est un jeu... Je pense que c'est un jeu préparé, là. Vous allez voir la façon dont Julien a gagné cette mise en jeu et a remis à Gazizov. Et le joueur de centre des Voltigeurs n'a jamais bloqué son rival. Et 20 secondes seulement en début de période. Dégagement refusé aux Voltigeurs. Et là, mise en jeu en territoire défensif. Ce sont les Knights qui vont pousser la rondelle et le remettre sur le flanc gauche. Et Godette avait son joueur, Kassim Godette avait Gazizov. Sauf que Gazizov a roulé, s'est démarqué et a pu subtiliser la rondelle. On a surpris la défensive des Voltigeurs sur cette séquence. Oliver qui se fait battre par le joueur de centre qui va pousser la rondelle derrière lui. Lawrence qui se défait de son rival qui était Gaudreau. Passe à Bank. Bank le tir et le but. On a fait dévier devant la remise de Bank. C'est Altunen, si j'ai bien vu. 4-0 London. Alors, sur un temps fort en zone offensive, les Knights de London qui ont vraiment occupé le territoire des Voltigeurs sur cette séquence. Ça a été un tir de Bank, un tir du poignet qui a surtout démarqué son bâton. Dickinson à Bank, Bank vers le filet et c'est dans le haut de l'enclave. Non, c'est près du gardien de but. Donc, Bank qui va tirer la rondelle et la rondelle est déviée. Parce qu'elle est déviée deux fois. Parce que le joueur au milieu de la zone, on va le voir ici, il touche à la rondelle une première fois et ensuite Altunen une deuxième fois. Donc la rondelle qui va dévier en premier lieu sur Landon Sim et ensuite sur l'épaule droite. S'empare du disque et là, mise en échec appliquée solidement dans le coin de la patinoire et Kustovic et Bolton là, qui sont passés dans le vide. Et c'est là-dessus que prend fin. Donc. Ce premier match des Voltigeurs de Drummondville à la Coupe Memorial, un revers de 4-0.